Bonjour et bienvenue dans Mimi numéro 29, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonjour Jérôme. Salut Antoine, salut tout le monde. Et oui, ma Mimi 29, hein. Bientôt la trentaine. Bientôt la trentaine, ouais, à quelques jours des élections. Bah, c'est demain. Oui, c'est demain. Voilà. On la Oui, fera clairement. entre deux tours, la trentaine. On la fera entre deux tours. Avec la semaine prochaine, un invité d'honneur, on devrait avoir Valerio qui nous rejoindra pour un enregistrement d'un Mimi exceptionnel. Valerio et qui j'ai monté la chaîne Miasme TV il y a maintenant 6 ans de cela. Voilà. Ça sera pour l'anniversaire de Miasme. En attendant aujourd'hui, eh bien, on va attaquer directement nos 4 petites news avec une news ufologique et tu vas nous parler d'un alien un petit peu particulier. Ouais, je vais vous parler d'une rencontre avec une mante religieuse humanoïde. Donc, les faits se sont déroulés en Angleterre. On était en juillet 2020, donc plus précisément à Warwick. Donc, en fait, c'est ce que je vais vous raconter, hein, c'est l'incroyable récit que Paul Froggatt, 26 ans, a en fait raconté au Daily Star dans une interview. Donc, en fait, Paul Froggatt, hein, c'est un ouvrier. Il travaillait à l'époque, je dis travaillait parce qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Il travaillait donc à l'époque dans une usine d'aliments pour chiens. Et donc après avoir terminé son quart de nuit, hein, Paul a quitté l'usine avec en vélo pour rentrer chez lui. Et donc voilà ce que Paul explique. Donc c'était jeudi matin à 5h, je rentrais du travail à vélo et j'ai vu quelque chose d'étrange dans le ciel. C'était une sphère orange brillante qui planait juste à l'horizon. Au début, je pensais que ce devait être Vénus ou un satellite, mais cela semblait être beaucoup plus proche que l'une ou l'autre de ces choses. Je me suis arrêté en chemin pour prendre des photos. Alors, je m'excuse, j'ai essayé de trouver les photos, je ne les ai pas trouvées. Si j'arrive à les dégoter, je vous les mettrai dans un prochain Mimi. Donc, en fait, il dit que l'objet avait l'air un petit peu plus grand en vrai que visible sur les photos, donc que j'aimerais bien voir. Donc c'est à ce moment-là que l'objet a commencé à se déplacer et à tourner sur lui-même. Je pouvais voir qu'il était circulaire avec une partie dépassant du corps principal. Donc en fait, une belle soucoupe volante, quoi. Quand cela a commencé, j'ai eu des frissons dans le dos et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ici. Je me suis dépêché sur le chemin du retour. Et alors que je continuais à faire du vélo, je pouvais jurer que l'objet se déplaçait le long de mon parcours. Mais je me suis juste dit que cela devait être une sorte d'illusion d'optique, en fait. Tu sais, Antoine, parfois quand tu roules en voiture et que tu as la lune sur la lune un peu couchante, tu as l'impression qu'elle te suit. C'est une espèce d'illusion d'optique, quoi. Et donc, il poursuit, en parcourant le sentier, j'ai contourné un virage et j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Debout à quelques mètres devant moi, c'est ce que je ne peux décrire que comme une mante religieuse humanoïde. Alors voilà, il a fait un dessin, vous pouvez voir la représentation de cette mante religieuse. Il dit qu'elle mesurait au moins 7 pieds de haut, hein, donc ça fait 2,15 m, donc belle bête. Elle était vert clair avec une tête triangulaire et des grands yeux noirs ovales. Elle avait toutes les caractéristiques d'une mante, mais se tenait sur ses deux jambes et avait une forme en quelque sorte humaine. J'étais complètement figé par la peur. Pendant ce qui se ressemblait à une éternité, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes, j'ai regardé dans les yeux de cette créature et elle m'a regardé en retour. J'avais l'impression qu'elle pouvait lire dans mes pensées et que je pouvais lire dans les siennes également. Ma peur a ensuite été remplacée par des pensées complètement étrangères de haine totale et de mal que je me suis projeté quand je me suis projeté dans cette chose. En fait, voilà, c'est ce qu'il a ressenti. Il me dit, cela semble fou, mais j'ai senti que je pouvais ressentir ces sentiments envers moi. Et c'était juste comme de la haine extraterrestre pure. Donc, assez flippant. Il explique, c'est comme quand tu regardes un documentaire sur David Attenborough, donc je pense que c'est un truc animalier, je pense, parce que c'est en Angleterre, et que tu vois une araignée manger une mouche, et c'est juste comme un sentiment malveillant du mal. Voilà. Donc, il dit, je suis soudainement sorti de ce genre d'état hypnotique, et elle a fait un pas en arrière comme si elle allait me bondir dessus. Donc là, bah, Paul Froggatt, hein, il a pris ses jambes à son cou, enfin son vélo surtout à son cou, et puis il a fait demi-tour et pff, il est parti pleine balle et voilà, il a été raconté son histoire. Donc il a ajouté que bah, il était traumatisé hein, parce qu'il avait vu et il avait maintenant du mal à dormir après avoir traversé au cou des Black Low Spinney, donc c'est la petite forêt qu'il a traversée ce matin-là. Donc, je trouve son récit assez,
Vraiment, là, on a tous les paramètres UFO. Alors, on pourrait penser que ce monsieur est un mythomane, hein, qui connaît bien le sujet OVNI, parce qu'il relate quand même des faits dans son récit, moi, qui m'ont interpellé. Parce qu'à un moment, il explique que voilà, il dit habituellement à 7 h du matin, donc à 5 h du matin, il y a un chœur de chants d'oiseaux et d'insectes dans les bois, mais là, tout était silencieux. Et que c'est ce qu'on retrouve très souvent. Lorsqu'il y a des rencontres du premier type, deuxième type, voire là, troisième type, ce qu'on appelle cet effet dose. Donc en fait, tout est ouaté, on n'entend plus un son, même si on est en pleine nature. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'abductés, enfin de personnes qui prétendent avoir été abductées, qui ont témoigné avoir vu dans les vaisseaux dans lesquels elles étaient emmenées des êtres, justement, des mantes religieuses humanoïdes. Voilà, exactement ce qu'a vu Paul Frogat. Donc, moi, pour conclure, je pense pas que ce monsieur soit mythomane, parce que bah, pour terminer, en fait, il a déclaré qu'il avait été contraint de quitter son emploi après que plein de collègues sceptiques dans son travail l'avaient surnommé l'homme mantis de Warwick. Donc voilà, il subissait des critiques au niveau de son boulot. Donc bon, il a démissionné. En plus, en creusant le sujet, j'ai appris qu'il avait déménagé sur Londres maintenant. Voilà. Donc je vois pas l'intérêt de ce jeune homme à raconter une histoire comme celle-ci pour voilà être obligé de démissionner de son travail parce que tout le monde se moque de lui, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine. Oui, il a aucun gain, non seulement il perd son boulot, il est obligé de déménager, et il n'est même pas célèbre, sauf chez nous maintenant. Voilà. Alors, effectivement, les races extraterrestres de type mantes religieuses, j'en avais déjà, alors, pas vu, mais discuté avec plusieurs ufologues, et elles auraient des capacités, effectivement, psychiques, mentales, elles sont plus dans la. Dans l'intrusion psychique Exactement. que dans que dans le combat physique en réalité, même si avec leurs belles pinces. Bah, ça m'a toujours fait peur, moi, les mantes, je sais pas toi, mais quand j'étais petit, moi j'avais peur qu'elle aille manger mon papa, ou tu vois, la fameuse histoire de la mante religieuse qui après l'accouplement qui mange le mari. C'est ça. Mais c'est vrai que dans ce que dans ce qu'a vécu Paul Frogat, là, on a vraiment toute la panoplie de ce que beaucoup d'autres personnes ont témoigné auparavant. Donc, et comme il le dit, il avait rien à gagner à inventer une histoire comme ça. La preuve, il a dû déménager. Voilà. Ok, bon, bah, écoute, chacun se fera, voilà, chacun se fera sa propre opinion sur ce genre de rencontre. Bon, voilà, ça reste dans tous les cas un beau témoignage qui nous amène tout droit vers un sujet qui n'a aucun rapport avec l'ufologie, mais par contre qui a un rapport avec une autre news qu'on a partagée avec vous la semaine dernière. Hein, rappelez-vous de cette maman souriceau. Qui a été créé par parthénogenèse, quoi, cette maman souris qui a été créée par parthénogenèse, grâce à une technique qui s'appelle, tu te rappelles du nom de la technique? C'est un nom de céréales. CRISP. CRISP-9. CRISP, je me rappelle plus. Quelque chose. C'est Voilà. quelque chose comme ça. Eh bien, écoute, figure-toi, ce monsieur, qui est un biophysicien chinois, du nom de He Jiankui. Eh bien, il vient de sortir de prison. Et est-ce que, là, ce mois-ci, au mois de mars, et après 3 ans d'emprisonnement, et donc, est-ce que tu sais pourquoi le gouvernement chinois a mis en prison ce brillant chercheur? Bah écoute, tu vas tout nous expliquer, Antoine. Je ne sais pas, il avait découvert quelque chose qu'il fallait pas. Eh bien, il les a utilisés, hein, les fameux ciseaux Crips K9. Ah oui, ce qu'on avait parlé l'autre fois, ouais, les fameux Voilà. ciseaux génétiques. C'est ça, pour créer des bébés humains génétiquement modifiés. Voilà. Bah, en fait, son objectif, c'était de résister au virus du sida, au VIH. Hein. Il était sensibilisé par cette maladie. Et il avait trouvé une méthode en intervenant directement sur des génomes d'embryons humains. Il pensait à pouvoir trouver la méthode pour que ces bébés qui étaient issus de parents séropositifs puissent résister au sida et voire même guérir du sida.
Donc, bah, ça se passe en 2018. Et lors d'un sommet international sur l'édition du génome à Hong Kong, il a présenté deux petites jumelles, une qui s'appelle Lulu et l'autre qui s'appelle Nana, sur lesquelles il a fait effectivement ses expériences de modification génétique. Donc, il ne les a pas présentées in vivo, on va dire. Il a présenté des slides, des photos, etc. Lui, il y allait à ce colloque en se disant qu'il allait recevoir le prix Nobel. Tu vois, pour lui, ça y est, c'était fait. Il ne se rendait pas du tout compte de la sensibilité sur la communauté internationale par rapport à tout ce qui est, on va dire, manipulation de gènes humains. Voilà, pour le moment, ça passe pas du tout. Bah, ça rappelle des heures peu glorieuses de notre histoire du XXe siècle. Et donc, bien, le problème, c'est que quand il est revenu, voilà, bah, il a été attrapé par le gouvernement chinois, il a été jugé et emprisonné 3 ans. Donc, c'est pour ça qu'il sort qu'en 2022, en mars 2022. Alors après, bien sûr, il y a tout un tas de scientifiques qui contestent ces recherches, comme quoi ça fonctionne pas. Déjà, la preuve évidente pour eux, c'est qu'il n'a jamais publié dans aucune revue scientifique. Donc ça, c'est une preuve que ses expériences ont mal tourné et qu'il a trafiqué les chiffres. Il y a un professeur de médecine, Kiran Musunuru, qui lui a détecté et a accusé en fait dans cette expérience le professeur Ijiankui d'avoir commis une faute énorme qui s'appelle le mosaïcisme endémique. En fait, ça consiste comment dire, à ne pas produire des effets homogènes et de ne pas pouvoir reproduire ces effets sur d'autres cas. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour lui, en naissant, certaines parties du génome des enfants pouvaient contenir effectivement des modifications voulues, mais d'autres parties en sont sûrement dépourvues. Et puis, en fait, on ne maîtrise rien. En grandissant, il y a de fortes chances que ces enfants développent de graves maladies, des dégénérations, et qu'en plus, ces maladies, comme c'est l'ADN qui a été modifié, ben, tu vois, ils soient transmissible de génération en génération, de faire des nouveaux mutants. Bon, on ne sait pas trop finalement aujourd'hui ce que sont devenues ces deux petites jumelles. Il y a eu un troisième enfant aussi qui était né de cette expérience. Voilà, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Ce qu'on sait, c'est que les parents séropositifs à qui on devait payer des soins, etc., pour qu'ils acceptent De faire de confier l'expérience. leur embryon à cette expérience. On n'a jamais payé leurs soins, ils n'ont jamais été soignés. Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu enterré. Est-ce que dans quelques années, ça ressortira? On verra deux jumelles qui sortiront d'un chapeau comme ça en disant que ce sont les jumelles Lulu et Nana. Voilà, on sait pas trop. Mais toujours est-il que tu vois, là, on tourne autour du pot depuis plusieurs émissions, entre cette fameuse usine de matrice pour faire des bébés en batterie, Géré par une intelligence artificielle. gérée par une intelligence artificielle, cette parthénogenèse, le fait de faire des manipulations génétiques, toujours dans le, hein, on le dit à chaque fois, toujours dans Oui, l'optique c'était de, dans des bonnes intentions au départ, toujours. c'est ça, de soigner les maladies et de sauver l'humanité. Voilà. Et comme toujours, la Ça, ça les dérive. démange, ça les démange, les scientifiques. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Oui, non, mais tu as raison, ça les démange. Ça fait. Bah, maintenant, on a les moyens, c'est ça le truc. C'est qu'on a les moyens, donc c'est comme voilà, tu mets les moyens de faire quelque chose à des gens et mais tu leur dis non, vous le faites pas. Il y en a, voilà, ils vont outrepasser les lois et puis ils vont y aller quand même, ils vont faire des expériences, évidemment. Ouais, complètement. Bah tiens, d'ailleurs, il y a Gemini là qui est passé à la télé, tu sais, avec Will Smith et son fils, ou le Peach. Tu l'as vu ce film? Non, je l'ai pas vu, non. En fait,
Alors je spoil, hein, je le dis à l'avance, parce que je me suis fait engueuler la semaine dernière, parce que j'avais spoilé Moon Knight, où finalement, c'est un super guerrier, un super tueur, etc. Et puis, un jour, on tente de l'assassiner, et en fait, le gars qui essaie de l'assassiner, c'est sa copie conforme, en réalité, c'est son fils, mais non, c'est son clone, qui avait été cloné 3 ans avant les brebis d'Oli. Donc c'est assez marrant parce qu'il parle de cette expérience-là, et donc expérience bien sûr menée par les Américains en secret, etc. etc. Donc voilà, ça fait aussi des sujets d'Hollywood, mais c'est parce que ça existe, et puis on nous fait croire que ces expériences-là, comme elles sont interdites, elles se font pas, mais bien sûr que si, elles se font. Donc voilà. En tout cas, faites attention à vos progénitures, à vos enfants. Il y a même une organisation hein, qui existe, l'UNICEF, qui est censée protéger les enfants en difficulté. Et parfois, ils organisent des fêtes. Mais quelle drôle de fête! Ouais, quelle drôle de fête! Ouais, j'ai vu ça sur le site apart.tv. Donc c'est un site anglais, mais vous pouvez avoir la traduction. Et puis c'était publié par Anna Sommer, donc qui revenait sur les fameux bals masqués que comme tu expliques Antoine, tous les ans en fait l'UNICEF organise un fameux bal masqué. Voilà. Donc j'ai regardé, j'ai creusé un peu. Avec le Covid, il n'y en a pas eu en 2021 ni en 2020. Il y en a eu un en 2019. Mais Anna Sommer dans son article reprend le dernier bal masqué qu'il y avait eu en 2018 à Clifton's Republic à Los Angeles. Et donc, elle explique que ce bal masqué était au-delà de toute réalité, quoi. Donc, alors que l'objectif annoncé de l'événement est de recueillir des fonds pour les enfants, un bref coup d'œil au symbolique qui entoure la fête suggère un autre objectif, célébrer la culture tordue de l'élite occulte. En effet, l'événement mettait en vedette des célébrités et des fêtards dans un décor inspiré de Eyes Wide Shut, le fameux film hein, sur des orgies à base de rituels magiques dans des sociétés secrètes élitistes. Et tout ça pour aider des enfants. Donc, 3 petits points. J'ai trouvé son article assez sympa parce que bon, elle nous fait voir en effet beaucoup de photos hein, de célébrités qui étaient là ce soir-là. Là, tu vois, tu fais un petit peu défiler, Antoine. Voilà, bah, c'est Lydia Hearst, l'arrière-petite-fille du magnat des médias, William Randolph Hearst. C'est ça. Voilà. Bon, elle n'y a pas été comme ça au bal masqué. Non, ça c'est un... Ça. Voilà, elle y était comme ça, mais avec une belle croix inversée sur... Ouais, et avec un œil. Hein, sur... Ouais, il y a des petits yeux. Il y a des yeux. J'avais vu. Et donc, bon, tu peux faire défiler. Et en fait, elle a un petit peu creusé le sujet, justement, Anna Sommer. Donc, elle explique, hein, selon le site officiel, hein, le bal masqué de l'UNICEF est l'événement philanthropique emblématique de l'UNICEF Next Generation. Donc, des invités masqués vêtus de leurs plus beaux apparats dansent toute la nuit pour célébrer et soutenir le travail de l'UNICEF qui sauve des vies. Plus de 800 leaders, innovateurs, célébrités et mécènes émergents du monde entier assistent chaque année au bal masqué de l'UNICEF. Et donc, elle a été voir un petit peu, elle a creusé sur, elle a été voir sur le site justement qui avait été mis en place pour ce bal masqué. Et donc, elle dit un coup d'œil sur le site officiel de l'événement montre clairement qu'il est inspiré à 100% par l'élite occulte et ses rituels. Le site vous accueille avec cette image. Donc, t'as vu la fameuse image là avec les yeux. Bon, c'est assez, voilà. Tu sais Antoine, hein, dès qu'on voit des petits yeux tout seul comme ça. Donc elle dit là, hein, là quand tu regardes le collier de perles, il forme un bec, on dirait un hibou, une chouette hein, tu sais le symbole du Bohemian Club. C'est ça. Par exemple avec l'image inversée tu vois. Et donc elle fait voir aussi sur le site justement il y a un petit onglet tenue du site web est en fait une page d'intérêt avec des images qui sont censées inspirer les fêtards parce que comme tout le monde doit venir avec un thème hein, et là quand tu regardes un petit peu toutes les images alors c'est ce qu'elle dit hein, c'est des images clairement sur un thème l'élite occulte quoi hein, on dirait sérieusement une méga édition des images symboliques du mois trouvées sur le site Vigilant Citizen. Voilà. Et tu vois un petit peu les images qu'il propose avec toujours ses yeux. C'est très glauque, quoi. C'est très.
Franchement, tu sais, ça me rappelle un peu la cérémonie d'ouverture des JO, là, où Ah c'est bah, quoi, c'est... clairement, oui, on y est. Alors, moi, je pensais plus à la cérémonie d'inauguration du tunnel. Cotard. Ouais, où là, on est vraiment en plein dedans. Ouais, ouais c'est clair. Donc, en bref, hein, la page de l'UNICEF dit essentiellement, nous adhérons pleinement à la culture tordue de l'élite occulte. Certains pourraient dire, tout va bien, tant que c'est pour les enfants. Enfin, voilà ce qu'explique Anna Summer, quoi. Et du coup, en creusant le sujet, elle se rend compte qu'en fait, le programme de l'UNICEF a bien changé depuis sa création. Est-ce que tu sais quand est-ce l'UNICEF a été créé, Antoine? Dans les années 70 ou peut-être un peu avant. C'était avant, en fait, c'était comment à la base, l'UNICEF avait été créé pour fournir une aide d'urgence temporaire aux enfants victimes de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, D'accord. c'est devenu un élément permanent du système des Nations Unies quelques années plus tard. Depuis lors, sa mission a progressivement changé, abandonnant le rôle de sauver les enfants d'une mort certaine à celui de défenseur de leurs droits. Et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques par rapport justement à comment. À ce que l'UNICEF a voulu mettre plus en avant, c'est les droits des enfants plutôt que de les sauver dans l'urgence, quoi. Et justement, il y a eu beaucoup de critiques, notamment tout à l'heure, hein, tu le citais, c'est Richard Horton, un rédacteur en chef comment de The Lancet, hein, qui a publié un éditorial cinglant qui qualifie la réalisation de Madame Bellamy, hein, donc la gérante de la fondation UNICEF, de honteuse. L'approche fondée sur les droits de Madame Bellamy, qui met l'accent sur les droits des enfants plutôt que sur leur simple survie physique, a également été dévastatrice pour les enfants, dont environ 10 millions meurent à cause de causes évitables avant l'âge de 5 ans chaque année. Voilà. Donc, bon, ils s'en sont pris pas mal plein les dents, l'UNICEF. Et quand tu vois un petit peu le bal 2018 qui avait été organisé, où c'est très clairement, voilà, ça fait un petit peu bal satanique, hein, on va dire. Donc, alors qu'est-ce qui se dissimule derrière l'UNICEF? Selon Anna, hein, elle dit alors que l'organisation se dissimule sous le masque de l'amour et de la charité, son vrai visage a été révélé par d'innombrables controverses impliquant arnaque, corruption, enfants, etc. L'UNICEF a souvent été critiqué pour avoir empêché des millions d'orphelins d'être adoptés par des familles en Occident. D'autres groupes affirment que l'UNICEF est devenu le partenaire de certaines des organisations de type planning familial les plus célèbres du monde en matière de distribution de contraceptifs, de prestations de services d'avortement et de stérilisation. Donc, bon, je vous invite à aller voir ce site parce qu'il en dit beaucoup. Je vais pas tout vous expliquer. Juste en conclusion, hein, elle dit, cet article a passé en revue des célébrités paradant dans des cornes du diable et des croix inversées à l'eugénisme social dans les pays en voie de développement. Le lien entre ces deux mondes séparés est clair, l'élite occulte, alors que sous couvert de charité, un programme très spécifique est mis en œuvre dans les pays les plus pauvres du monde. Cette même organisation organise des fêtes inspirées par les bals pseudo-sataniques des Rothschild. Voilà. Ouais. On a vu défiler d'ailleurs quelques photos des bals des Rothschild. Là aussi, on y Madame de retrouve ces fameuses Rothschild bêtes avec cornues. c'est ça. Ok. Je ne sais pas ce que Écoute. tu penses maintenant, mais bon. Alors, ça reste un article de Anna Summer, hein. Comme on dit, on ne prend pas parti par rapport à ce qu'on vous expose, mais bon, c'est vrai qu'en creusant le sujet, on trouve quand même des choses assez délicates pour un organisme qui voudrait sauver des enfants dans le monde. Ouais, je pense pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain, mais Ça fait, c'est ah un bah il y tout. a, oui, non, on sait qu'ils ont quand même fait de grandes actions et ça, c'est indéniable. Ok, bon, bien écoute, merci pour cette news. Le prochain bal de l'UNICEF, c'est quand alors? Bah écoute, j'ai essayé de voir en 2022 si on avait un d'organisé, j'ai pas encore vu de date. Bah, tu sais, avec le Covid déjà. Bon, en plus ils sont pourris, hein. Ils t'organisent un bal masqué, il n'y a pas de problème avec le Covid, hein. Tout le monde a le masque. Bah oui, forcément. Je ne sais pas pourquoi ils ont annulé en 2020 et 2021. Bon, mais si on a la date du bal masqué, on vous la communiquera et puis on essaiera de suivre cet événement sur 2022. Et bien voilà, Jérôme, merci pour cette news. On va se quitter sur cette belle histoire Antoine, de Antoine, l'UNICEF. Antoine, on ne peut pas se quitter. Il manque une Comment ça? info, on n'en a fait que trois.
tu veux te débiner là comme ça, tu... Ah oui. Oui, effectivement. Bah non, la quatrième, je ne vais pas pouvoir la dire sur cette plateforme parce qu'on va peut-être aborder des sujets qui pourraient fâcher nos hébergeurs. Donc, on va vous abandonner ici. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés effectivement par la quatrième news, on vous invite, vous savez où, hein, voilà, sur Odyssée, on mettra l'émission complète. Si elle est sur En Odyssée, tout elle doit cas, être croustillante comme news. c'est possible. Vous verrez bien. N'oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu, ça nous aide à faire grimper les statistiques de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous partout. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour une émission spéciale avec Valerio pour les 6 ans de la chaîne. Ciao, ciao, passez un bon week-end et puis pensez à voter demain. Allez, ciao tout le monde, à tout de suite sur Odyssée.